Alors ça c'est une des variétés de d'arbres qu'on peut mettre hein, parmi plusieurs tant d'autres. Hein. Après faut toujours être vigilant hein, parce qu'il y a des essences d'arbres qui sont toxiques pour les animaux. Là en l'occurrence le sol on peut y aller sans souci. Donc de ce fait, alors je ne sais pas si c'est par habitude ou par manque de verdure éventuellement dans leurs enclos, mais de toute façon on le voit, ne serait-ce déjà l'automne hein, quand les feuilles elles tombent. Ils sont fous quoi, ils ramassent toutes les feuilles à terre. Ils nous aident un petit peu dans le nettoyage quoi. Mais sinon ouais, ils affectionnent particulièrement à la période où les feuilles sont bien fraîches comme ça. Autant l'hiver on peut leur en mettre sans feuilles, mais ils sont un peu moins fins. Les rongeurs vont toucher aux branches, mais pas les herbivores avec un peu plus de mal. Mais en tout cas ouais, ils affectionnent bien celle-ci. Puis l'ensemble des animaux, tout ce qui est herbivore, ça y passe. Ils aiment bien rongeurs, tels que les wallabies, les ânes, chèvres, aiment très bien aussi, comme je vous disais, les herbivores. L'ensemble, à peu de choses près, à part les cochons, bien entendu, les cochons ça les touche pas, ce qu'on a au parc. Mais après, tous les autres animaux, et venant d'où, ça les touche pas non plus. Tout ce qui est palmipède également. Mais tout ce qui est herbivore, rongeur, ont le droit à leurs petites branches. Parce qu'on sait que. Ils aiment bien ça. Et des animaux, tu peux leur mettre une branche énorme, dans l'heure qui suit, il ne reste plus rien. Tout prend un sens aussi au niveau de la mixité, parce que il y a 2 ans, on n'avait pas de mixité, hein, c'était chaque espèce dans chaque enclos. Donc là, aujourd'hui, ben, on a regroupé ce qui est australien, on teste avec deux mâles wallabies, qui viennent d'Australie aussi. Hein, et de ce fait, ça prend plus de sens. Là, aujourd'hui, on se retrouve avec un coin où on est sur des espèces australiennes, de l'autre côté, on sera sur des espèces sud-américaines. Le petit nom que je cherchais, le nom de cette espèce, c'est des ratites. Je cherchais tout à l'heure, ça vient de me revenir. Donc je le balance, si ça peut servir. Donc chez les émeus aussi, c'est le mâle qui couve. C'est lui qui s'occupe des œufs. Voilà. La femelle pond uniquement ses œufs. Hein. C'est tout ce qu'elle fait. Elle s'occupe de rien. Donc là ici, la végétation, elle a repris ses droits. Hein. Il y a eu 18 mois, je crois, sans espèces dedans. Donc. On a enlevé tout ce qui était chardon, etc. Et puis on a laissé le reste. Hein. Ça permet aux wallabies de faire un peu leur travail. Donc là-bas, ouais, tu vois, là-bas, t'as la femelle émeu. Et t'as le mâle qui est couché juste là-bas. Ouais, ils sont toujours mieux ici, ça c'est clair. Ils sont peut-être dans l'étable. Donc voilà, donc là c'est, ici c'est la petite zone, donc là l'étable a été réaménagée de façon à ce que les émeus aient un abri et que les wallabies aussi. Et puis on a fait une petite zone de repos hein, comme ça. Ça permet notamment, on a moins confiance avec le mâle émeu hein, qui a tendance à ne pas trop supporter les wallabies. Donc de ce fait, ça permet que les wallabies aient une zone de repos, hein, de tranquillité. Et ils vont finir par se l'acquérir à un moment donné. Ils vont savoir qu'à cet endroit-là, une fois passé la barrière, ils seront tranquilles. Et ça, c'est important. Donc, comme ça, ça va pouvoir aussi faciliter la cohabitation. Parce que l'émeu sera forcément, à un moment donné, s'il va se trouver face à cette barrière, il va arrêter de courir. Donc là, ça permettra au wallaby d'avoir un minimum de sérénité pour le moment. Voilà. Là, on va faire la prise de sang à l'âne. Bon, c'est un peu délicat, donc on va faire ça hors caméra. Après, si vous voulez, on en parle. Alors, Martin vieillit et bon, depuis quelques temps, il y a des problèmes de peau. Donc, on se demande si ça n'a pas une origine hormonale. Donc, on a fait une petite prise de sang pour tester ça, tout simplement. Ouais,
Ça va, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé, il n'a pas bougé, donc il a le droit à ses carottes en récompense.